Salut à tous, c'est Rick le Coach Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, une pièce qui va captiver votre auditoire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à jouer, c'est très délicat et vous allez bien pouvoir travailler l'interprétation. Donc ce morceau est issu d'une série de science-fiction parue en 2020 qui s'appelle Tales from the Loop. Et il a été composé par Philip Glass, un compositeur très célèbre qui a beaucoup travaillé sur les musiques de films. On lui doit notamment la bande-son de Candyman, pour ceux qui se souviennent, ainsi que The Truman Show. Donc l'idée c'est d'avoir très peu d'éléments et d'obtenir un résultat optimal. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Si vous voulez suivre ce tuto avec un peu plus de facilité, vous pouvez acquérir la partoche chez les copains de chez Quick Partition, je vous ai mis le lien dans la boîte de description, je raconte toujours la même chose. Et si le cover du début vous a plu ou vous a inspiré, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu, ça fait plaisir. Quant à moi, je me mets au clavier et je vous montre comment jouer tout ça. Alors dans ce morceau, la main droite va jouer pas mal dans les aigus, voire les très aigus. C'est pour ça que j'ai dû décaler un petit peu mon axe de caméra plus à droite que d'habitude, ce qui fait que le do du milieu, avec le petit point rouge qui vous le désigne, se trouve ici. Alors, comme d'habitude, on va travailler mains séparées pour que ce soit bien efficace. Alors les 6 premières mesures, je vous les rejoue pour que vous les ayez bien dans l'oreille. C'est les mesures 1 et 2, mesure 3, mesure 4, mesure 5, mesure 6 et mesure 7. Ça démarrera comme ça. Alors que fait la main droite? On va se placer sur un accord de Si mineur, Si, Ré, Fa dièse, qui nous servira d'empreinte, d'accord, sur lequel on placera un petit arpège. Mais les notes dont on a besoin, c'est Si, Ré, Fa dièse. Le deuxième accord, qu'on verra à la mesure 4, c'est Si, Ré, Sol. Donc il n'y a que la note de l'aigu qui grimpe d'un demi-ton. Si mineur, Sol majeur, renversé sur sa tierce. Voilà. Donc rythmiquement, on est à 6-8, donc en ternaire, ce qui veut dire qu'il nous faudra 6 croches ou l'équivalent de 6 croches dans chaque mesure. Ça tombe bien, au début, il n'y a que de la croche. Ce qui fait que, pour les deux premières mesures, par exemple, on aura juste besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial. La mesure 3 et 4, on aura à nouveau une mesure de Si mineur. 1, 2, 3, suivi d'une mesure de Sol majeur avec le même arpège. Et voilà. Donc, dès que je change d'accord, je change ma pédale. Ça, c'est une espèce de règle qu'on peut appliquer dans 90% des cas. Et ici, ça ne manque pas. Si je suis en Si mineur, mon pied reste enfoncé. Et dès que je tape le Sol majeur, dès la première note du Sol majeur, j'attends que celle-ci soit enfoncée. Et hop, hop, mon pied va se soulever et rappuyer tout de suite. Mais il ne faut pas que ça vienne embêter le débit de la main droite. Je vous refais les mesures 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. On va tout de suite mettre en place la main gauche. On va démarrer par la note Si, qui se trouve une octave en dessous du Si sur lequel on a commencé. D'accord ? Et on va mettre le 3 dessus. Ici, on a une blanche pointée. Il faudra donc 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivi du Sol, 3 croches jouées avec le petit doigt. Et Ré, 3 croches également jouées par le pouce. Les deux mesures, mains ensemble, donc mesures 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial. Les mesures 5 et 6, là c'est assez rigolo, je vous les joue. 2, 3, 4, 5, 6, ça va. Et attention. Ha ! À la fin, c'est la main gauche qui prendra la place de la main droite pour jouer exactement les mêmes notes. Alors, la mesure 5, ça démarre donc par un Si à nouveau, main gauche, Si, main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mesure suivante, je rejoue Si, Ré, Fa dièse, je ne rejoue pas la main gauche. En revanche, hop là, dès que j'ai joué Fa dièse, la main gauche, petit tour de passe-passe, il faudra qu'elle prenne le relais de ce que faisait la main droite. Et il ne faudra pas entendre un trou. Hein. L'idée, c'est que ça puisse fournir une continuité, parce qu'après, la main gauche fera l'accompagnement qui était joué au départ à la droite pour faire la petite mélodie trop jolie. Donc, mesure 5 et 6 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu le truc? Pour que la main gauche n'arrive pas à la bourre, quand on a fini le 1, 2, 3, j'attends pas d'avoir joué la dernière note aiguë. Je fais, alors pardon, mesure 5. 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Comme il y a la pédale, ça ne dérange pas de quitter directement à partir du 1 ou au plus tard du 2. Voilà, je vous rejoue ces 6 premières mesures et on voit la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, normalement ces mesures 1 et 2, on les refait une deuxième fois d'affilée, mais je ne suis pas fan des reprises. Mesure 4. Mesure 5. Mesure 6. C'est parti. Mesure 7. Mesure 8.
joli quand même, hein, c'est très délicat. Alors, la main gauche, démarrons par la main gauche, comme ça c'est elle qui fait le boulot. Donc fin de mesure 6, on avait dit qu'elle prenait la place des notes de main droite, donc elle rejouait si, ré, fa dièse, bon super. Et mesure 7, eh ben, on rejoue à nouveau si, ré, fa dièse, si, ré, fa dièse. Mesure 8, on joue le sol majeur de tout à l'heure, donc si, ré, sol, si, ré, sol. Mesure 9, on change enfin d'accord, on va vers un ré majeur, basse, la, c'est-à-dire la, ré, fa dièse. C'est ça l'empreinte de mon accord. Donc ça, vous pouvez le bosser en faisant si mineur, sol majeur, ré majeur, basse, la. Et pour terminer, alors celui-là est très joli, c'est un accord fa dièse augmenté, basse, la dièse. Donc les notes, c'est la dièse, ré, fa dièse, d'accord ? Donc la mesure 9, c'était la, ré, fa dièse. Le dernier accord, la dièse, ré, fa dièse. Ça pique un petit peu, c'est normal, c'est l'accord augmenté. Donc je rejoue uniquement l'empreinte de ces quatre accords-là. Si mineur, mesure 7. Sol majeur, mesure 8. Ré majeur, basse, la, mesure 9. Et puis, la dièse, ré, fa dièse, le fa dièse augmenté. Ok. On applique sur chacun de ces accords 6 croches avec le même système d'arpège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite le sol. Je change bien la pédale dès que je change. Tac. La mesure. La dièse. Excellent. Voyons ce qui se passe à la main droite. On va démarrer par une attaque hyper bien trouvée. Le compositeur aurait pu démarrer tout de suite en faisant si, si. Mais il s'est dit non. Pour avoir une petite touche de délicatesse. Donc le vrai premier temps, c'est le petit doigt, si vous voulez. C'est ça qui compte, qui va tomber avec le si de la main gauche. Le pouce partira un tout petit peu avant pour faire voilà, cette appoggiature brève et on restera enfoncé. Ça va donner donc ça. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, à la mesure 8, la main droite jouera la, la en octave, puis sol, sol, 3 croches, 3 croches. À la main gauche, on est sur l'empreinte de sol majeur, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mesure 7 et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je change bien la pédale, là je la garde, après fa dièse main droite sur l'accord de ré basse la, 1, 2, 3, et je ne rejoue rien à la main droite, tandis que j'attaque le fa dièse augmenté, trop bien, alors je vous rejoue ces mesures 7 à 10, et on voit la suite, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je refais pareil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, le la la. Et attention, ré ré. Il est beau ce ré ré la aigu, on ne l'attendait pas vraiment, et très bien trouvé celui-là. Donc là, je me trouve mesure 12, je suis sur l'empreinte de sol majeur à la main gauche. À la main droite, je joue donc la la, puisque si au lieu de faire sol sol, je vais ré ré, une carte juste au-dessus. Et après, je redescendrai sur un fa dièse fa dièse. Donc, je vous reprends cette mesure-là, la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme avant. Par contre, je terminerai sur un la dièse qui est tenu 3 croches à la fin de la mesure 14. Rendu fin de mesure 14, normalement, je reprends depuis la mesure 3. À nouveau, une reprise. Il y a plein de reprises dans ce morceau. Ok. Bon, ben, je vous rejoue toute cette page-là. Et là, vous êtes déjà pas mal avancé. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesure 3. Un petit peu plus. Surtout quand on ira chercher, j'insiste un peu, mais sans être tonitruant. Hein. Tout est une question de nuance. Ok, donc normalement, je vous ai dit, on rejoue tout ça depuis normalement la mesure 3. Personnellement, je vois pas l'intérêt. On vient de le dire à l'instant, il n'y a pas besoin de le refaire une deuxième fois. Bon, imaginons qu'on le fasse quand même. On joue. Je vous reprends depuis la mesure 11. Mesure 12. Et ce coup-ci, ben, je vais me téléporter à la mesure
15, donc on va trouver Fa dièse. Ça, c'est comme la mesure 13. Et ce qui change à la fin, donc la mesure 16, on va faire La dièse, Do dièse, Fa dièse. Je vous fais encore ça depuis la mesure 11. Je fais un petit ralenti et puis on voit un petit soufflet comme ça, un petit décrescendo pour indiquer qu'on baisse le volume. Ok, rendu mesure 17, on a ce passage trop joli, vous allez adorer jouer ça. Alors là, il va falloir bien gérer l'appui simultané des deux mains. Dans la mesure 17, on se trouve, on retrouve les mêmes accords, l'accord de Si mineur à la main droite, mais également à la main gauche, ça c'est trop bien. Tac. Après, on aura un accord, l'accord de Sol majeur basse Si, donc c'est les Fa dièse qui disparaissent au profit du Sol, hein, donc Si Ré Sol. Après, on a l'accord de Ré basse La, donc La Ré Fa dièse, aux deux mains, et Fa dièse basse La dièse, donc les notes, La dièse, Do dièse, Fa dièse. Je vous fais les accords, les empreintes des mesures 17 à 20. Si Ré Fa dièse, Si Ré Sol, La Ré Fa dièse, La dièse, Do dièse, Fa dièse. Ok. L'arpège de main droite, déjà au niveau rythmique, il est dédoublé. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la croche, mais de la double croche. Donc au lieu d'avoir que 6 attaques par mesure, on en aura 16. Non, 12. Je fais des blagues, tu es marrant. Alors. Si vous ne voulez pas compter jusqu'à 12, vous faites 4 fois 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 groupes de 3 comme ça, ça marche bien. À la main gauche, et c'est ça qui est rigolo, on est bien sur le même accord. Mais au lieu de faire dans le même ordre, non, la main gauche va faire de la plus grave à la plus aiguë. Et pareil, du coup, 12 double croches. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, les deux mains. 1, 2, 3, 4. Si vous avez pigé ce placement-là, vous allez faire exactement la même chose sur les autres accords. Le Sol majeur basse Si. 2, 3, 4. Le Ré basse La. Et le Fa dièse basse La dièse. Vous pouvez prendre un petit point d'appui pour vous aider là-dedans à ce que les doigts ne partent pas en cacahuète. Dès que vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, vous pourrez redonner un petit coup, un peu plus fort. Ça permet de rythmer. Et après, si possible, il faudra le lisser un tout petit peu dans la vitesse pour que ça ne fasse pas trop dur. Donc là, on a vu les mesures 17 à 20, on est content. Je vous rejoue, puisqu'il y a de la reprise, les mesures 17, 18, 19. Et ce coup-ci, je ne joue pas 20, je me téléporte sur 21. Il y a juste un petit truc qui change à la fin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 21. 4. La dernière, je la tiens. En fait, je ne refais pas cric, cric pour terminer. Parce que, et on terminera avec cette séquence-là d'ailleurs, parce que après, c'est quasiment toujours la même chose, on va trouver ceci, mesure 22 à 25. Bon, alors, la main droite, vous allez être content et contente, c'est toujours la même chose, on retrouve ce 4 groupes de 3, vérifie en jouant, exactement pareil. C'est juste que la main gauche va aller chercher dans les, à la cave, les fondamentales, non pas toujours les fondamentales, mais en tous les cas, certaines des notes de nos accords. Donc quand on joue le Si mineur, donc là je suis mesure 22, je me trouve plus ici, mais deux octaves en dessous pour aller chercher Si très grave. Oh là là, on le voit tout juste là sur l'écran, je ne vais pas remarquer. Et ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Ça, à la limite, ça va, c'est pas trop difficile. On a le temps avant de rejouer derrière. Après l'accord de sol, on fait rien.
à la fin de cette mesure 23, si tout va bien, on est rendu comme ça. Il faudra attaquer l'accord de Ré bas Fa dièse, à la main droite, avec la main gauche. Et là, il faut vite se déplacer. Alors, mesure 23, Sol majeur, Bas-Si. Donc, il faut bien anticiper, il faut que votre regard regarde déjà la note que vous allez cibler. Parce que si vous regardez au dernier moment, c'est quasiment fichu pour tomber dessus. Voilà, c'est limite du coup de peau. Si cet enchaînement vous semble un peu difficile, si le fait de faire ça, vous pouvez virer éventuellement la dernière note de main gauche de manière à ce qu'elle puisse partir une double plus tôt, genre. Vous voyez, j'en ai enlevé une, ça marche très très bien. Mesure 24, on retrouve le même placement rythmique que la mesure 22, à savoir. Je vous rejoue ça une dernière fois, donc mesure 22 à 25. Et rejouer également ces mesures-là. Il faut juste que je vous montre les mesures 26 et 27, et puis après c'est terminé, c'est de la reprise de ce qu'on avait avant. Alors ces mesures 26 et 27, je trouve, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, j'aime pas, musicalement, enfin ça se joue comme ça. Et on les rejoue puisqu'il y a une reprise. Juste que dans l'enchaînement de ce qu'on avait avant, ça fait bizarre. Là, quand on le joue comme ça, ça va, mais bref. Mesure 26, on est sur notre Ré basse Fa dièse. Puis l'accord de Fa dièse majeur. À la main gauche, on va trouver Fa dièse, suivi de Fa dièse, La, Ré, Fa dièse, La, Ré, Fa dièse en croche pointée. Donc, 1, oh, yeah, fait mal celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et Fa dièse. Et normalement c'est pareil, on le rejoue une deuxième fois. Voilà. Et après, on retrouve Si mineur, mesure 28. Terminé la page 2. Je vous joue comme ça, vous entendez. Ah si, un tout petit bidule qui change, mince, mesure 33. Bon, je vous le joue comme ça, je pense que si vous avez acquis la partoche, vous pourrez vraiment le jouer facilement. C'est pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Mesure 32, Si mineur. Et mesure 33, on va chercher Sol, on ne le voit même plus à l'écran. Donc c'est là que ça va changer au milieu. Sol, Ré, Sol. Et après, facile, Fa dièse majeur. On laisse bien traîner Fa de mesure 35. Et là, on rejoue exactement comme si on reprenait au début. Et je terminerai cette vidéo là-dessus. Mesure 40. Traîner, point d'orgue, on fait durer autant de temps qu'on veut. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu comme d'habitude, hein, si vous avez aimé le petit pouce bleu, le petit abonnement, le commentaire qui fait plaisir. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne musique, et puis je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto, à très bientôt, ciao.